Vous êtes sur Congo Live Télévision. Les dames et messieurs, vous faites bien. Merci de nous avoir choisi Congo Live TV afin de vous mettre au parfait de l'actualité. Bonjour dès là où vous vous trouvez. Bonjour à de Congolais, de milliers de Congolais qui nous suivent aujourd'hui sur Congo Live Télévision. Ça nous honore grand de vous savoir nombreux scotchés derrière vos écrans, derrière vos télévisions pour nous choisir enfin de vous informer à ce jour. Boye Elam Kolanda, Manakana Biso Yasika sur Congo Live Télévision, Boyali Ebele, Batu Ebele TV Moko, Bozali na Guadolite, na Congo Central, na Lubumbashi, na Akamina, na Kisangani, na Goma, na Bukavu, na Tanganyika, un peu partout à Lomami, à Kolwezi. Les dames et messieurs, Turubi Boye Elam Kolanda, Manakana Biso Yasika sur notre chaîne. Bozali na Mboka Bapaya, Turubi Boye Elam Kolanda, Manakana Biso Yasika, Bipai Bozali. Toi ça qui dit là, Boalou Lama Toulouenou, ku télévision wetu Congo Live, Mukolo Mwalelo Turubi, Matondo Mingi Nabaye Banso, Bake Kolanda Beto, Nangongayai, na Mboka Bapaya. Boka bele biso confiance li susu en fait que topé sabino basango ya sika concernant mboka na biso République démocratique du Congo. Nayali Yusufu Kibingila David de Mopanzi Sango oyo ya Congo Live Télévision oyo akabela kabino basango ya makambo oyo est concerné bitumba ezo concerné justice ezo concerné développement pe ya mboka na biso na mukolo mwalelo tokolo belanini oyo ekozala ba debat na biso ba sije ya ba debat na biso esengeli boye bango avake manaka na biso ebanda mukolo mwalelo tokolo bela bitumba oyo boyoka ki eyoka makilo bike poursuite ya ba affrontement au-delà ya oyo toyoka ki mardi lobi mercredi bitumba eyoka maki na kati ya territoire ya Masisi oyo bitumba ezalaki ko opposé ba rebelle du M23 na ba jeune résistant oyo to bengamaka oyo ba bengamaka ba jeune résistant a wazalendo tokolo bela sije wana toye ba poursuite ya ba affrontement wana ezalaki nini suite ya ba affrontement wana ezalaki nini banani oyo bazwa ki victoire a lisi ya ba affrontement bien que esengeli c'est le fait ezala respecté mais au-delà de ça sur le lune de front tozota la ezali kozala violé lobby to lobby kuna, c'est-à-dire du jour au jour, les cessez-le-feu continuent à être violés. Tokolo bela pe justice na kati ya mboka na biso oyo ba konzi ya justice oyo bazo kote la likambo yango lelo ekomi bitumba opposa le ministre de la justice et le magistrat oyo toyoki corps syndical na bango etelemeli likambo koloba bango ba konzi mate et que ministre a percé na kati ya processus oyo azo sala. Mais ye na ngambo na ye alobi eke réseau ya ba mafie oyo, réseau ya mafia oyo ye alingi a détruit eza koloba eke ekosunga mboka kokende liboso. Troisième sujet oyo tokolobela lelo ekozala ba problème oyo eza lié na batu oyo tobengamaka na tobengaka bango plutôt mapinga ma ekolo. Pourquoi est-ce que to gagné deux fois aussi bitumba te selon ba analyse ya batu moko moko tokolobela ba problématique oyo ezali na ngambo na bango ba difficulté oyo ezali na ngambo na bango oyo pe ekoti na te to gagner des fois peut-être bitumba aussi longtemps nous to arranger yango te parce qu'il y a aussi ba problème oyo efandeli bisika bango bazali ezali ba problème oyo efandi bisika mapinga ma ekolo bazali oyo ezo sala eke motivation ya kosala bitumba parce que bitumba eza motivation. Ezali courage ne betanak. Ezali courage ne bundaka. Mais si il n'y a pas le courage, même si détermination ezali. Mais ce qui courage ezali te, un peu difficile, to longa. Wapi bazali ko bloqué, to kolobela pe likambwana. Ba konzi a FRDC, ba tika ko kanisa, eke, kuna ko fandaka na Kinshasa, esili, ba oye baza sirtere, ezo simbate. C'est ce qu'on parlera aussi. À ce même point, to kolobela soda moko, na kati ya ville ya Goma, ezalaki lobby mukolo oyo ya mardi oyo soda a bumaki mukolo ya mercredi voilà je voulais dire oyo soda moko ya mulongo a bumaki mokonzi na 33e région militaire 34e région militaire
Soda abumaki mokonzi oyo soda zraki ko réclamer ba arriéré naye. Selon ba source moko moko ezo confirmer ke eloko wana soda wana zaki ko réclamer ezali ba arriéré a plus ya 16 mois. Tokolobela ngo tout au long de cette émission l'état ke bozomi installé toyeba ba déficit nini ba problème nini ezali lié face na batu oyo bazali kotinda mana bitumba. Yango pe tokolobela lelo boyoki ke soda ya mulongo abumi mokonzi likolo ya ba arriere na ye azaki ko reklame yango alembi yango abeti ye masasi. Apre ko bete ye masasi le soda lui-même akei ko mirandre. Tokolobela yango tout au long ya manaka na biso bandeko balandi ya Congo Live Television. Boye elamu bisika bo mikuti mukolo mwalelo tolobi matonzi mingi ko pona biso po keto kabela bino basango ya makambo oyo ezoleka na kati ya mboka na biso toko bandela lisolo oyo ya soda oyo abumaki mokonzi moko na kati ya rejo awa na Nord Kivu dans la ville de Goma na kati ya komina Karisimbi ezalaki vers 15h passé de 25 minutes de ce mercredi 20 Tumi limbisi ezalaki ndenge nazalaki koloba oyo mercredi donc mukolo mwalobi abumaki mutu abumaki mokonzi likolo ya ba arriere na ye ou bien to kolobela wapi histoire bandeli e komaki boni pour que soda wana abuma mutu abuma mokonzi. Ezalaki ndenge nini? Lelo tozolo bela likambolie l'Itali bitumba dans l'est du pays. Mais ba oyo bazali ko bunda. Ba oyo esengeli bazala bien traité. Yango ezo justifier makambu moko moko na kati ya mboka. Histoire ezalaki ndenge nini? Comment c'est arrivé? Ezalaki miracle, ezalaki magie pour que soda wana abuma mutu wana. Totanga mo elongo et puis on revient sur les analyses. Un soldat congolais tire sur son supérieur à Goma, réclama des arriérés de salaire. Oyo selon certains, ba arriérés ezaya plus ya 16 mois, selon certaines sources. Selon certaines sources, ba arriérés wana ezaya 16 mois. Impayé, je pèse bien les mots, 16 mois. C'est mercredi à Goma, le 21 août 2024. Un soldat congolais nommé de Banza Ilunga a tiré sur son supérieur, le capitaine Albert Bossina, directeur financier du 33e région. Je corrige, c'est la 33e région, groupement naval. Selon une source judiciaire, un soldat réclamait, ou ce soldat réclamait, plus de 16 mois d'arriéré de salaire, plus de 16 mois. Il y a pas arriéré à salaire, naïe. N'est-ce pas qui a réclamé. Après son acte, c'est-à-dire après avoir tiré sur Albert Bossina, le soldat s'est rendu lui-même au bureau du TD du 33e groupement naval pour son arrestation. L'incident s'est produit, ou l'incident a eu lieu, dans la commune de Karisimbi, ville de Goma, vers 15h, passé de 25 minutes. Soldat Zaki a réclamé Mbongonae 16 mois, il y a arrière à Kofutama. Ba dispute, ba échange. Et c'est comme ça que Abeta ki masasi na banza na Albert Bossina. Albert Bossina oya zaki capitaine. Ba yali ko réclamer mbongo. Alo binga mbongo na nga esi e umeli. Mais est-ce que komaka ba biloko ba listing? Kombe komaki e komaki te, komaki e komaki te. Et le temps qu'il y a des incidents produisent comme ça, l'ennemi aussi va profiter des ordres de cacao et toujours sale.
Est-ce que mon nez est comme ça? Est-ce que mon nez est comme ça? Est-ce qu'il y a un passage? Est-ce qu'il y a un patient? Quelqu'un peut faire au moins 16 mois sans qu'il y ait un foutu à ma réaction que vous allez en avoir. Est-ce qu'il est la seule personne ou bien elle est la seule personne oyo azel na barrière wana? Est-ce que bazan un groupe de gens, un groupe de militaires, mais c'est celui qui a eu le courage d'aller réclamer pour qu'il y ait ça l'acte wana après? D'autant plus que tu es encouragé à que ça la quitter parce que c'est un acte à ma bête. Mais à côté, nous sommes encouragés à faire l'État congolais et que quelqu'un a ça à 16 mois et vous fout à mater. Ma question est de la réponse. Et là, on ne va pas impliquer cette fois-ci Kagame. Non, là, c'est entre nous. Ma question est de la réponse qui est Salema. Un soldat tire à bout portant sur un capitaine Albert Bossina, et après avoir commis acte wana yemoko ami memi na biro a TD eza musika te ya biro a région yemoko akiti et il s'est rendu koloba na bumi mutu likolo a barriere na ngai na bumi mutu na bumi capitaine. Et yango basangoza kotoyo na kati ya ville ya Goma. C'est ça les informations oyo tokolo belabino na kati ya mboka Goma. Information ana ezali ezo tambola. Et ça ne nous honore pas. Basoda esengeli bafutama. Rentrée scolaire yango. Les enseignants bazo réclamer que ceux qui bazui $500 te donc bazongela kobeta tia kite. Et toutes ces questions esengeli ezo ba réponse. Bah, il y a des gens qui sont à l'État et qui sont dans le monde. Mais voilà les militaires. Bango va bandir au côté de la Likambo. Bazo réclamer. On ne sait pas trop, toujours creuser. L'information à retenir à ce stade, d'abord, on n'a pas beaucoup de commentaires à mettre là-dessus. Mais l'information à ce stade, on est aux alliés, le temps est toujours creuser. Toi, il y a profondeur, la vérité dans la Likambo. À ce stade, nous pouvons vous dire qu'un soldat a tiré sur un capitaine dans la ville de Goma. Le temps qu'il était en train de réclamer 16 mois, il y a arriéré naï. Ni plus, ni moins. Jusqu'à présent, nous n'avions pas encore des informations. Ils ont creusé. Est-ce que Mbongwa n'est pas au coma? Est-ce que Zaki au coma? On ne peut pas confirmer ça ici parce que nous n'avions pas encore obtenu réalité. Ils ont creusé dans nos potes. Mais tout ce que vous devez savoir est que Aboumaki Moutou, il y a 16 mois, il y a un paiement naïe. Oyo ezo concerné salaire naï. Raison pour laquelle bokoya kotala insécurité na kati ya mboka Goma ekomi comme du jamais vu. Ezali soki militaire akutani na civil, c'est fini pour lui, surtout la nuit. Et on se demande, est-ce que les militaires ne sont pas bien payés? Mbongo na bango ekoma kate pour que ba téléphone ya ba civil ezala soki amoni yango, c'est fini pour ces civils. Le militaire doit être bien traité, surtout dans l'est du pays. C'est catastrophe ceux qui sont soldats va foutre mis bien traité. C'est catastrophe si les enseignants ne sont pas bien traités. C'est catastrophe si les infirmiers, les médecins ne sont pas bien traités. C'est déjà un problème. Mais mukolo mwalelo, toye kolobela bino eke de la part de la République démocratique du Congo. Et c'est une question à la base ou à moi au sérieux. Moi, je ne vois pas un militaire qui sera là pour traquer les gens la nuit, qui sera là pour intimider les gens la nuit, qui sera là pour voler les gens la nuit, et il a $500 fin du mois. Dans mon idée, soda ou yabou sera bloquana. Mais si militarisation à ville à Goma, et en gros, on a mis insécurité dans la ville de Goma. Et tout cela parce que, deux fois, Batumosu Bazo estimé, les militaires ne sont pas bien payés. Les militaires sont bien traités. Et tout ça, Félix Antoine Tshisekedi de Sengeli Botali et la Likam. Madame Judith Soumi-Noua, mon conseil Christian Tiwewe, voilà donc ma situation. Oyo, et Sengeli qu'on évite Bandako Koma.
L'état que nous sommes en guerre contre nos agresseurs. Et c'est une réalité, bisona biso pe bitumaise en nakati suite à des sujets pareils. Et que ça les maté. Et c'est une réalité, zongé la bisika tozali. Et que likambouana et ça les maté. Voilà donc, les dames et messieurs, cette information venue fraîchement de la ville de Goma. Koye bae ke Mutumoko, militaire moko, Abumaki capitaine, Oyo, Azalaki ko réclamé, salaire naye, bon, échange Azalaki et Yokamaki biente, il a lanché sur le capitaine Albert Bossina, et puis lui-même il s'est rendu na TD Musikate à bureau, Bisika, Makambwana et Lekelaki. Tola bela bitumba, Oyo et Yokamaki lobi, nakatia territoire ya Masisi. Qu'est-ce qu'il faut noter? Il faut noter ici que c'était depuis des heures. Il y a mercredi, Oyo, et Tikiko le c'est-à-dire lobby. Oyo, ba étant ce combat, ils là qui koyokama, ils là qui signalé entre les rebelles et M23. Oyo, ba yali soutenu par Rwanda, naba FRDC. Oyo, ba yali soutenu naba jeune résistant Wazalendo. Ba combat, wane za ki signalé na Rufunda et Rukofi, na moins de 10 km na village ya Bihambwe, na katia territoire ya Masisi. Babitumba oyo yali kosale maletanke ba poursuite et yali kosale ma na ba délégation oyo ya Rwanda na RDC ba yali kofanda rakacha ba réunion na bango na Angola sous médiation ya mokonzi ya Angola Joao Lorenzo ndenge natikale kolobela bino na libandeli ya manaka oyo eke bitumba ezali kosale ma Bitumba ezali ko salema de l'autre côté. Pourquoi les rebelles ne respectent pas ça? Nanga prouve à suffisance que eloko oyo ya processus ya Luanda yezo concerné été. Comme il a toujours fait savoir que eloko wana yezo concerné été. Voilà donc. Et que lelo azali ko prouver la façade du monde. Ou bien la façade ya monde et que lelo ye eloko wana ezali ko tala été. Il s'en fout de ce système. Oya Kolobaba, cessez le feu et tout le reste. La question revient. Quelle sera la fin de Nanga? Bazali Kosala, ma session, ma formation, mobilisation et tout le reste. Ouais, c'est bon. Mais c'est quoi la fin de Nanga? N'oubliez pas aussi que Cartes Zaki qu'on jouait dans 2012. Makenga Tiaki, Mobulu Koloba, Biloko Oyo ya Kampala est concerné. Mais façon, Mamadou a ridiculisé Makenga. De façon oyo pe ba ridiculiser nanga total na likambo yango bon yego salema mais noté ici que il y a eu aussi des affrontements hier au-delà ya ba assise oyo ya Rwanda oyo salema ki lobby ezaki le 21 tokoyeba alici a raconté na bango ni ezaki nan to zui information te tozela ba pesa biso compte rendi parce que c'est de notre droit en tant que ba congolais toyeba chaque chose chaque étape oyo bazo franchir. Pour que toi ya kokoma liboso to loba et que les erreurs du passé, on a encore repris ça. Ça, on ne doit pas le faire. Mixage, brassage, ça, on ne peut pas anticiper. Nakatia likambouana. Voilà donc, Masolo na biso, yalelo. Tolo bela justice, siko. Justice, nini e komikuna. Batu bazo kangama. Batu bayali ko kangama comme du jamais vu. Réseau mafié, nani mutu oyo, azo tile lango lo boko lelo. Toyo ki ke batu bazo kangama. Toyo ki ke batu bazali ko bazo arrete batu. Nani oyo azali ki arrete. Na dossier nini, na poursuite nini. C'est quoi si je oyo etika ki ba arrete ye. Totanga elongo, et puis toko comprendre, ba réseau ya ba mafia. Ba détournement ya mbongo, et yali ko salem. Boyoka batu ba détourner 10 millions de dollars, 50 millions de dollars, 500 millions de dollars. Et il y a un militaire, un pauvre militaire, qui réclame 16 mois à arrière na ye, azo zwa yango te. Ezali ba eloko oyo tokoyoka te. Ezali ba eloko oyo tokoti la loboko te. Parce que lelo soki to lobeli yango, ezali dans le sens que likambo ezali kosalema, esengeli justice sociale, ezala kati ya mboka na biso. Certains ne sont pas venus accompagner d'autres, certains venus pour souffrir, certains venus pour vivre très bien. Non, non, et c'est la justice sociale et salement. Le temps qu'un médecin ne va pas dormir, ventre creux, mais nous trouvons un politicien qui a violé la loi Mboka, Yamboka, un politicien qui a violé la loi Mboka, Mbongo Yamboka. Ça ne se fait pas et que l'État doit veiller sur ça. Raison pour laquelle Batumoko a violé accompagner ministre de la justice. Nini Yokamaki. Tout en gaillant.
L'ancien vice-ministre de la justice, il y a justice Lissoussou, arrêté pour détournement où ils allaient présumer où il y a 5 millions de dollars. L'information a été confirmée par des sources au ministère de la justice, à l'inspection générale de finances, IGEF. Selon nos informations, l'ancien vice-ministre de la justice, sous la direction de Célestin Tounda, a été sous la direction Célestin Tounda a été arrêté sur instruction du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Costa Mutamba, après exploitation d'un rapport de l'IGF faisant état de disparition de 5 millions de dollars versés à une société privée pour la construction de la nouvelle prison de Kinshasa en 2021. La société a fermé ses portes et les fonds restaient introuvables, a déclaré un responsable de l'IGF. Les enquêtes sont en cours, a précisé une autre source au ministère de la Justice. Mardi, la Fondation Bill Clinton pour la paix, FBCP, a exprimé sa profonde préoccupation concernant l'arrestation de Bernard Takaiche, ancien vice-ministre de la Justice, survenu le 20 août 2024. Selon la FBCP, les circonstances de son arrestation est floue. Entourant le motif de sa détention soulève de sérieuses questions sur le respect des droits constitutionnels en République démocratique du Congo. Boyo Kandenge a Kangamaki. Le 19 août 2024, Bernard Takaiche a été contacté par téléphone par un haut cadre de renseignement militaire, anciennement connu sous le nom de Demiap, rapporte l'ONG. Arrivé au bureau, il n'a pas été reçu par l'officier en question. Le lendemain, le 20 août 2024, Takaiche s'est à nouveau présenté à la Demiap, où on lui a demandé d'attendre. Cependant, au lieu d'une rencontre prévue, des agents de l'Agence nationale des renseignements l'ont amené et il est depuis détenu dans leurs locaux, sans que le motif exact de son arrestation ne soit officiellement communiqué, poursuit la même source. Dans un message publié peu avant son arrestation, Bernard Takaiche avait lui-même alerté sur la situation. J'ai reçu le samedi dernier à 15h47 un appel téléphonique d'une personne se présentant comme responsable de la Demiap, me demanda de le rencontrer ce lundi à son bureau. Étant donné que je ne me suis rapproché de rien, j'ai décidé de répondre à cette invitation. Le présent message tient lié d'alerte. Donc, alerta qui Herba Benga qui est. Mais vu que Azaki komi reproché plutôt, na elo côté, bon, akendaki, yango Azaki kokangama. Mais si restriction, il y a ministre, il y a justice. Ero et Azana nous présumer de tourner. Likamboba talela, likamboba landela, et sengeli kotraqué pe ba magistrat oyonyo so bazale kotia mobulu. Nous ne voyons pas à quoi ils vont s'agiter le temps qu'ils savent très bien que bazali na ba réseau mafieté. Yangoyo, ba information, tozalaki ya kokabela bino, mukolo, mwalelo. Merci beaucoup, les dames et messieurs, de nous avoir accordé votre temps, de nous avoir accordé votre attention, enfin, de vous informer. Nous vous disons merci d'avoir été nombreux sur Congo Live Télévision. Partagez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de mettre vos avis. Qu'est-ce que vous pensez pour ces informations, cette situation en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui pour que tu sortes de ce problème nyoso oyo tuzanango mukolo mwalelo? Merci beaucoup les dames et messieurs. J'étais Youssoufou Kibingela David. On s'est fixé un nouveau rendez-vous sur Congo Live Télévision. À la prochaine pour d'autres actualités.